J'ai ici un calice d'hibiscus carcadé. Donc je vais l'ouvrir afin de récupérer quelques graines. En voici une. Voilà, donc la graine est relativement grosse, à la forme d'un petit haricot. Et je vais attraper la graine entre mes doigts comme ceci. Et avec un cutter, je vais ce qu'on appelle la scarifier, c'est-à-dire que je vais faire une petite entaille dans la partie marron de la graine. Hop, je vais à peine faire pénétrer ma lame afin d'exposer la partie blanche du dessous qu'on appelle l'endosperme. Voilà, je vais essayer de faire sauter un petit morceau de la couche externe. Voilà. Donc ici, on voit un petit peu de blanc par-dessous. Voilà ce qu'on appelle l'endosperme. Et donc, j'ai juste entaillé ma graine afin que l'eau puisse pénétrer dans les couches internes et puisse faire germer cette petite graine d'hibiscus.